bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Raïssa et je suis très contente d'être ici, je suis très contente de faire cette vidéo parce que c'est une chose que j'ai toujours voulu faire mais que je poussais toujours et me voilà en train de le faire enfin. Et j'ai vraiment hâte pour cette vidéo parce que c'est un haul et j'aime trop les hauls sur YouTube. Je regarde ça tout le temps, j'aime trop. Et aujourd'hui on va faire un haul de Shein. Je sais pas si vous connaissez Shein, mais c'est une marque sur Instagram. J'ai commandé quelques de leurs habits il y a quelques années. J'ai pas commandé mais on me l'avait offert et j'avais pas aimé du tout la qualité. C'était trop transparent et tout ça là, j'avais vraiment pas aimé. Et j'en faisais abîmer rapidement dès que je l'avais dans la machine. Je faisais abîmer mais quand même, cette fois-ci je vois que, j'espère que ils ont amélioré. Alors let's go started, commençons la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'aimer la vidéo. Merci beaucoup. Alors on va commencer par cette première tenue, je l'ai déjà portée. C'est une tenue, c'est plutôt simple. J'aime trop ce genre d'habits parce que tu peux mettre ça pour aller n'importe où et c'est incomplet, c'est-à-dire que si tu n'as pas trop envie de chercher et si tu as la flemme, c'est facilement portable. Qu'est-ce que je peux dire? J'ai trop aimé ça parce que la seule chose que je n'aime pas, c'est le fait que c'est un peu trop transparent. Si tu mets un soutif qui est un peu plus clair que l'habit, ça va complètement se voir. Et j'aime l'habit, j'aime. Passons au suivant. J'ai eu cette jacket, j'aime trop cette jacket avec cet habit. C'est trop beau, c'est juste trop beau quoi. J'aime beaucoup, c'est confortable. En tout cas, dans les jaquettes comme ça, des choses qui sont vraiment chères, genre dans les magasins, si tu pars à Zara, si tu pars à je ne sais où dans les stores, ces genres de vêtements sont en général chers. Et juste du fait que j'ai eu ça, je me rappelle pas du prix, mais si je trouve, je vais la mettre quelque part sur la vidéo. Et du fait que je peux porter cet habit, du fait que j'ai eu ça à ce prix là, c'est vraiment étonnant. Mais j'aime beaucoup et c'est frais, la couleur surtout. J'aime la couleur, ça fait un peu, le queer, ça donne un peu cet effet fancy un peu genre. Et pourtant c'est super cheap. J'aime. On adore. Alors là, you cannot talk to me anyhow now. You cannot. Genre, allô? Oui? Non, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. C'est comme ça que je vais répondre aux gens. Si vous voyez m'habiller de cette manière, vous venez m'embêter. Oula, j'aime trop, ça donne un peu un style 70s, je ne sais pas, les années 70, les années 80, ça donne un style que j'aime beaucoup. Et en fait, je m'habille pas souvent comme ça, c'est pas vraiment mon style, that's why I'm like, oh, ça serait bien de m'habiller comme ça souvent. C'est la première fois que j'essaie ça, c'est un peu out of my comfort zone, but I liked it. Avec les lunettes qui viennent rajouter en couche. Ok, attendez. Je prends bien la pose. Mettons d'abord les lunettes pour essayer de... Parce que les lunettes ici me font sentir un peu comme... Attends. J'enfile ça bien là. C'est un peu gros.
J'aurais dû prendre ça en extra small. Parce que là, c'est un peu... Le pantalon, ça va, mais... Est-ce que vous voyez? J'aime trop là. J'aime trop ce style. Ça aurait pu juste être un peu plus petit au-dessus. Comme ça. Comme ça, c'est trop beau. J'aime trop. Et c'est totalement hiver parce que ça là, c'est très lourd. C'est très lourd. Je donne à cet tapis un... Je donne ça un 8. Il y a quelque chose qui manque. Yeah, c'est à cause de ça. Si c'était plus petit, ça allait être beaucoup plus mieux. Dites-moi combien vous donnez à cet habit. Dites-moi combien est-ce que vous pourrez coter ça. Si c'était plus petit, ou bien vous dites que comme ça c'est mieux, comme ça c'est beau. Je m'habille comme ça là. Je mets un peu quelque chose au cou. Je mets ma montre Rolex et on y va sur la route du succès. On y va sur la route du succès. I love it. Dites-moi ce que vous en pensez parce que moi j'aime trop. J'aime trop ça. Et ma perruque, mes cheveux, ça donne juste un ouf. Yes, ça peut passer, mais je trouve pas que ça va trop avec ce style. Ce style est un peu trop... Comment ça s'appelle? Désolé ma voix. Hein. Ce style est un peu trop formal. I don't know. Je trouve qu'avec un long manteau va aller mieux avec ça ou ça. Mais je voulais juste vous montrer ça. Anyways, je l'ai eu. C'est beau. Franchement, je sais pas si je vais publier cette vidéo. Parce que je fais ça tout le temps. Je filme des choses que je ne publie jamais. Parce qu'il y a toujours quelque chose que je n'aime pas. Je suis bizarre. Je suis trop bizarre. Mais j'aime trop cette couleur. Je suis revenue encore sur cet habit, mais j'aime trop cette couleur. J'aime beaucoup la couleur. Ça fait... Je sais pas. J'aime trop. J'aime trop la couleur. C'est très beau et c'est calme. C'est classe aussi. I just wish ça pouvait me serrer. Few moments later. Commençons déjà par voir le pantalon. C'est un peu gros. J'aurais dû prendre un S. Je l'ai eu en medium. Et j'aurais dû prendre ça en S parce que ça me lâche un peu. But do you see how fly I am? Est-ce que vous voyez comment est-ce que c'est frais? J'aime trop, c'est juste un t-shirt blanc que j'ai choisi et je l'ai mélangé avec ce pantalon en cuir. Une chose, je sais pas comment est-ce que je n'ai jamais acheté de pantalon noir en cuir de toute ma vie, que c'est ma première fois, parce que c'est trop stylé. Regardez, c'est juste un t-shirt blanc que j'ai associé avec de pantalons en cuir. Et regarde comment est-ce que ça sort frais déjà. Attendez, j'ai l'impression que j'ai pas bien fermé le bouton. Hein. Ok, on recommence. Regardez comment est-ce que c'est frais. C'est trop frais. Le pantalon en cuir, c'est trop frais. Je sais pas pourquoi est-ce que je l'ai jamais. J'ai jamais acheté avant. Mais c'est trop bien et c'est pas très cher par rapport aux autres stores qui vendent ça. Parce que c'est du cuir. J'ai pris cette veste. Obviously, c'est pas un look pour rester à la maison parce que je ne sais pas qui est-ce que achète sa bille comme ça pour rester à la maison, mais est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez toute cette fraîcheur, toute cette... Je pense que
Attends, je sais pas. La robe en brown et la jaquette, c'est definitely genre ma tenue préférée. Mais je sais pas combien est-ce que je peux donner ça. Parce que j'aime beaucoup le vibe que ça me donne de riche, d'une personne riche. C'est le vibe de... Attends. Est-ce que vous voyez ça? Que je présente. Hein? Ça fait comme jamais. Regardez-moi ce style, hein. Regardez-moi. Comment est-ce que vous allez... Combien est-ce que vous me donnez avec ça? Attends, je reste d'abord calme, que vous puissiez bien apprécier, parce que... Voilà. J'aime beaucoup le style. Je l'ai déjà dit. I love it. It's like giving me rich vibes. Like, hello. I cannot talk to you anyhow. I'm sorry. I cannot. Not have time. Busy. Yes. Voilà les résultats, les retombées. Reste calme et tu vas rien fumer. D'accord? Ah, mademoiselle Raissa. Oula. Oh, is that you? Ouh. Je vous laisse juger par vous-même ce look. J'aime trop. Et juste pour ajouter la veste au-dessus, je peux mettre ça pour aller, je sais pas, dans un truc fancy. Et puis je mets cette veste au-dessus parce que j'ai froid ou parce que c'est l'hiver. Je m'habille comme ça. Mais c'est trop beau, franchement. Genre, blague à part, c'est trop beau. J'aime beaucoup. Et la qualité des vêtements, c'est vraiment impressionnant. Genre, on dirait, surtout le manteau. Des trucs comme ça, tu pars à Macy's, tu pars à Nordstrom, tu vas les trouver à 200$, 180$, des sandales. Et ça, je l'ai, je sais pas moi, à 40$ ou 39$, je sais pas. Mais c'est trop beau. La qualité est au top. Je suis vraiment impressionnée. C'est vraiment trop beau, hein. Franchement, je savais pas. À partir d'aujourd'hui, c'est Shane dans ma life. Je vais que acheter du Shane. Ok, pas que, mais... Franchement, c'est ma première fois de faire du shopping à Shane. Et je suis vraiment impressionnée de la qualité des histoires. Et à quel prix est-ce que je les ai eues. C'est trop beau. C'est incroyable. C'est incroyable. Franchement, j'aime beaucoup. J'aime trop. C'est pas pour vous, mais j'aime beaucoup. Franchement, Shane, bravo. Bravo. Parce que... Voilà, en train de recommencer. J'arrête. Yeah, franchement, j'aime trop la qualité des vêtements. Cet ensemble, je l'ai pas eu ensemble, en fait. Que j'enlève d'abord la veste. Je l'ai pas eu ensemble. Cette veste s'est séparée. Le manteau est... Je l'ai pris à part. La jupe aussi. Ouh! Regardez-moi ça là. Ça c'est qui, s'il vous plaît? C'est qui? Comment l'appelez-vous? Raissa. On l'appelle Raissa Joko. Oh my god. Est-ce que vous voyez cette robe? C'est magnifique. C'est trop beau. J'adore avec ce chapeau et ces lunettes. J'adore. Moi, 10 sur 10, 20 sur 10. J'aime trop. Genre, c'est trop beau. Shane, bravo beaucoup. Bravo. Bravo pour cette magnifique collection, whatever.
J'aime trop, franchement, c'est trop bon. C'est trop beau. C'est trop bon. Je peux porter ça pour aller. Je peux porter ça pour aller n'importe où. Genre, je peux porter ça pour chiller. Je peux porter ça pour sortir. Parce que si je mets des talons et je mets un petit sac à côté, tout ça là, ça va juste être magnifique. Alors là, ça va être magnifique. Et ça fait classe. Et en même temps, je peux mettre des baskets et sortir avec. Et ça va toujours être la même chose. Magnifique. Pas quelque chose à dire. Rien à dire. Rien à dire. C'est magnifique. Merci beaucoup. Oh, sorry. Ok. J'essaie de mettre la veste. J'essaie de mettre la veste tout à l'heure, celle qui était noire. Et que je l'avais portée avec l'habit. Vert et tout ça, j'avais dit que c'était pas très, ça n'allait pas avec. Alors je vais essayer de mettre avec cette robe pour voir si ça va aller. Oh, oh. Yeah, j'aime beaucoup. I still like it. Genre là c'est moins. I mean, ça donne toujours de l'effet, mais c'est un peu différent. I mean, si tu portes ça avec la jaquette, je sais pas, ça change un peu le style. Et si je mets sans, je vais me calmer, hein, je vais me calmer, je vais me calmer. Alors là, nous sommes à la fin de notre vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin, si vous êtes toujours là. Et n'oubliez pas d'aimer, si vous avez aimé la vidéo, dites-moi, commentez. Comme ça, je vais faire plus des vidéos comme ça. Et yeah, partagez la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner surtout. Alors, à la prochaine. Mouah, bisous.